ce soir pour ce deuxième webinaire de l'année. Comment l'assurance vie se réinvente. Bienvenue à ce webinaire. Alors, l'assurance vie a connu un record de collecte en 2021, record de collecte qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est tiré aussi par l'épargne d'une façon générale qui avait été un petit peu forcée en 2020 et on est resté sur ce train en 2021. Record qu'ont connu également les marchés financiers. Si on prend que l'indice CAC 40 qui fait plus de 28% de performance sur l'année 2021, donc un record pour le CAC, mais record aussi pour de nombreux indices boursiers mondiaux. Alors, quelles sont les promesses de l'assurance vie? C'est ce que nous allons évoquer ce soir. On va voir le fonds Onero qui a fait le succès de l'assurance vie toutes ces dernières années et on va voir combien il ne pourra plus, en tout cas dans l'avenir, être vraiment tenir les promesses du passé et que finalement l'assurance vie, il faut la réinventer, il faut trouver des alternatives qui vont véritablement créer de la performance pour vos contrats. Alors ce soir, on va particulièrement mettre trois alternatives sous les feux de la rampe. On va vous parler de l'eurocroissance qui est le troisième pilier de l'assurance. On va parler des ETF, parce que c'est un véritable engouement auquel on assiste pour les ETF. Et on va parler d'une gestion pilotée innovante créée par GWS et qui associe à la fois bien finalement une gestion passive, un fonds avec des ETF à l'intérieur et une gestion très tactique. Pour m'accompagner ce soir pour décrypter ces alternatives, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Tubiana, qui est responsable distribution donc des ventes ETF pour Lyxor dans le groupe Amundi en France. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Arnaud Boucher, qui est directeur général délégué, qui est responsable de la gestion financière chez Generali Wealth Solutions. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors, le premier élément sur lequel j'avais envie effectivement de partager avec vous ce soir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des fonds en euros. Et cette première diapo est assez intéressante parce qu'elle présente une chronique de l'évolution des taux de participation aux bénéfices des fonds en euros depuis une vingtaine d'années. Et on voit que c'est une lente et constante baisse auquel on assiste. Alors, très, très liée bien évidemment au contexte des taux bas, et lié aussi à une dimension réglementaire qui contraint plus les assureurs dans la gestion et qui diminue les poches finalement qui pourraient créer de la performance comme des poches actions. Alors on voit, bon, 2000, c'est une moyenne des taux sur le marché. On voit qu'en 2020, on avait une moyenne à 1,30. On n'a pas pu vous présenter la moyenne des taux de PB en 2021 parce que tous les taux n'ont pas été publiés par les assureurs. On attend encore un taux, mais on peut déjà dire qu'on sera aux alentours de 1,10, 1,15. Donc, on continue cette lente baisse des fonds en euros. La courbe orange chez l'inflation, et on voit que finalement, bien, si on laisse ses capitaux dans son contrat d'assurance vie sur un fonds en euros aujourd'hui, on perd de l'argent. Le capital n'est absolument pas protégé par rapport à l'érosion monétaire et il faut vraiment s'intéresser à des alternatives. La première alternative ce soir, c'est l'eurocroissance. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. On va passer à la slide suivante. L'eurocroissance est le troisième pilier de l'assurance. Vous avez le fonds en euros, l'eurocroissance et les unités de compte. On reviendra sur les unités de compte. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un fonds Eurocroissance, fonds croissance qui s'appelle Generali Croissance Durable. C'est un fonds de Generali. Alors pourquoi Generali? Parce que finalement,
peu d'assureurs ont développé des fonds de croissance à l'intérieur de leur contrat et sur Internet, parce que vous savez qu'Alta Profit, nous ne présentons que des contrats assurance vie sur Internet, et bien sur Internet, seul Generali aujourd'hui propose un fonds croissance. Donc c'est un contrat, c'est un fonds qui sera complètement accessible en ligne. Je vous ai positionné les frais, donc 0% de frais d'entrée, ça c'est la tradition sur Internet, on n'a pas de frais d'entrée, 0,75 de frais de gestion annuel, le même niveau que les fonds en euros que l'on trouve traditionnellement dans nos contrats. C'est un fonds qui va avoir pour objectif de surperformer le fonds en euros. Alors pourquoi un fonds croissance finalement, ça va surperformer le fonds en euros? On va arriver à avoir un rendement supérieur à un fonds en euros sur ce type de support. Et finalement, on va avoir ici aussi un niveau de risque qui reste faible, beaucoup plus faible que sur les unités de compte, mais on arrivera à aller chercher de la performance. Et bien parce que on va le voir, le fonds croissance, on va avoir une garantie en capital qui va pas être quotidienne, mais qui va être dans le temps, et on va pouvoir choisir une durée pendant laquelle son épargne est investie à l'intérieur de son contrat d'assurance vie sur ce fonds croissance. On peut peut-être passer à la slide suivante. Et là, on va voir vraiment comment fonctionne un fonds croissance. Donc, je vous disais, une garantie en capital qui va être de 80% du capital. Et cette durée, elle va être prise sur finalement la durée que vous souhaitez. C'est entre 8 et 30 ans. On peut avoir quasiment tous les contrats assurance vie sont des contrats à durée viagère, c'est-à-dire le terme du contrat, c'est au moment où vous souhaitez bien racheter votre contrat sous forme de rachat total ou bien dans un objectif de transmission au moment de votre décès, le capital est transmis à des bénéficiaires. Et bien là, sur le fonds croissance, vous allez choisir pour ce fonds en euros, à l'intérieur du contrat assurance vie, la durée que vous souhaitez. Elle peut être de 8 ans, elle peut être de 15 ans, de 12 ans, de 25 ans, elle va jusqu'à 30 ans. Mais quelle que soit la durée que vous pouvez choisir, vous gardez la liquidité de l'épargne de la même façon que vous pouvez l'avoir sur votre contrat d'assurance vie, sur les unités de compte ou sur le fonds en euros. Vous pouvez sortir à tout moment, l'argent n'est pas bloqué et dans les contrats sur Internet, il n'y a pas de frais de sortie, seule la fiscalité s'applique en fonction du moment auquel vous sortez. Alors, dans la slide suivante, on va voir finalement, comment se positionne l'eurocroissance, le fonds croissance durable de Generali par rapport au fonds en euros et par rapport aux unités de compte. Le fonds en euros, à l'intérieur des contrats Generali chez Alta Profit, vous avez deux fonds en euros, Netissima et Eurosima. Donc, vous voyez ici la courbe de ces fonds en euros donc, qui baissent année après année. Et autrement, les unités de compte. Alors, on a la performance, c'est vrai, des unités de compte en 2000, depuis 2015. Donc, en 2020, l'année où on a eu une très, très, très forte volatilité sur les marchés financiers. Hein. Souvenez-vous, on a perdu au premier confinement quasiment 40, entre 35 et 40% sur une période très, 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 très courte. Ça a été aussi assez brutal. On avait fait 26% l'année précédente et en 2021, je vous le disais tout à l'heure, on revient à 29%. Donc finalement, sur les unités de compte, on peut avoir effectivement une certaine volatilité. Le fonds croissance, lui, va se situer finalement entre les deux. On a pour objectif, parce qu'on va aller avec un moteur de performance, on va aller chercher un petit peu plus de risque. On est légèrement plus risqué que le fonds en euros, mais moins risqué finalement que ce que l'on peut trouver sur les unités de compte. Donc voilà pour le positionnement de ce fonds. Plus de performance qu'un fonds en euros, peut-être moins de performance,
moins de moteurs de performance que certaines unités de compte, un peu plus sécurisé, mais finalement, il a tout à fait sa place dans une répartition globale où on peut très bien avoir une partie en fonds en euros, une partie en fonds croissance pour aller chercher un petit peu plus de performance et vraiment le moteur de performance avec les unités de compte. Et justement, en parlant des unités de compte, un moteur de performance qu'on peut avoir au sein des unités de compte, c'est les ETF. Et Jérémy, vous allez nous parler des ETF. Mais bon, ETF, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi s'agit-il? Alors, merci Stéphane de me poser la question. C'est vrai qu'on va essayer de commencer par un peu de pédagogie pour mettre un peu tout le monde sur les mêmes niveaux de base. Donc, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds, un OPC qui est coté en bourse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter et vendre comme une action. La particularité d'un ETF, c'est que l'objectif de gestion est de répliquer à la hausse comme à la baisse, la performance d'un indice boursier. Donc concrètement, si je prends un ETF sur le CAC 40, l'objectif de gestion de l'ETF va être de faire la performance du CAC 40. Donc si le CAC 40 augmente de 2%, l'ETF augmentera de 2% moins les frais de gestion de l'ETF. Si l'indice CAC 40 baisse de 2%, l'ETF baissera de 2%. Point important, les indices répliqués incluent les dividendes. D'accord ? Donc, on réplique toujours des indices dividendes réinvestis. Et donc, de cet objectif de gestion découle un type de gestion qu'on appelle la gestion passive. En face de la gestion passive, on retrouve plutôt la gestion active. Et je fais un peu de pédagogie là-dessus pour que là aussi, on comprenne bien le type de gestion que l'on a. La gestion active, c'est peut-être les fonds que vous aviez l'habitude de souscrire historiquement dans les contrats d'assurance vie. Eh bien, l'objectif de gestion d'un gérant actif, c'est de faire mieux qu'un indice de référence. Donc, si un gérant actif gère sur le marché français, son objectif, c'est de faire mieux qu'un indice CAC 40, mais il peut aussi faire moins bien. Donc, finalement, on comprend qu'avec l'ETF, on ne fera jamais mieux que l'indice, mais on ne fera jamais moins bien. Sur un gérant actif, on pourra peut-être faire mieux, mais on pourra peut-être aussi faire moins bien. Et donc, de cet objectif de gestion des ETF, on comprend que c'est un objectif de gestion très simple. Et donc, les frais de gestion associés aux ETF sont très faibles, ils sont relativement faibles, ils sont de l'ordre de 0,3% par an. Et bien qu'on parle de plus en plus d'ETF aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas un sujet nouveau. Ils existent en Europe, ils ont été lancés, développés en Europe avec l'Ixor dans les années 2000. Et en réalité, ça existe, ils ont été lancés aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans les années 90. Donc, ce sont des produits qui ont un historique très long et qui se développent de plus en plus, effectivement, auprès des épargnants français. Et alors, mais voilà, pourquoi cet engouement? Quels sont les avantages? Pourquoi plutôt cette gestion passive que de la gestion active? Alors, finalement… vous l'avez dit un peu tout à l'heure, Stéphane, l'enjeu, en fait, c'est l'enjeu de l'épargne, le contexte de la baisse du rendement du fonds euro, la baisse de rendement des livrets d'épargne de manière générale, même si je crois que c'est aujourd'hui, hein, le livret a augmenté. On est dans un contexte où on cherche, voilà, effectivement, on est dans un contexte où on cherche à mieux préparer, à mieux gérer son épargne, en tout cas à prendre en main son épargne. Et on se rend compte finalement que laisser son argent sur des fonds euros ou sur des livrets d'épargne traditionnels, bah finalement, ça ne fait plus le travail pour s'assurer un pouvoir d'achat équivalent. On parlait d'inflation tout à l'heure, qui était de l'ordre l'année dernière de 1,6. Si on le compare à une rémunération du livret A, qui était à 0,5 l'année dernière, bah je m'amuse souvent à prendre un exemple qui parle à tout le monde. Le prix de ma pizza, finalement, a augmenté de 1,6% l'année dernière quand mon argent placé sur un livret A ne m'a rapporté que 0,5%. Donc, concrètement, j'ai perdu quasiment un point l'année dernière de rendement réel. Et donc, dans ce contexte-là, les épargnants français cherchent des solutions simples, lisibles, qu'ils vont comprendre et à frais réduits, parce que finalement, l'avantage des ETF aussi, c'est la réduction des frais, des frais de gestion. Et donc, on s'aperçoit que l'accès au marché financier via les ETF peut être une solution qui peut être utilisée par les épargnants parce que c'est simple. Alors évidemment, l'accès au marché financier comporte un risque de perte en capital,
hein, parce que quand on investit en bourse, on a un risque de perte en capital, mais ce risque-là, il faut l'accepter, il faut le maîtriser, puisque les espérances de rendement peuvent être meilleures que des rendements de livret A ou de fonds euros, mais sur du long terme. Et un des moyens d'appréhender finalement ce risque-là, ça peut être notamment la délégation de gestion via un asset manager, un gérant d'actifs tiers. Et donc voilà, donc, les ETF apportent cette solution pour accéder au marché financier de manière plus simple, plus transparente, plus lisible et à frais réduits. Plus accessible. Arnaud, vous avez aussi succombé aux ETF. Vous avez introduit à l'intérieur de votre gestion pilotée des ETF. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que justement, c'est extrêmement innovant, cette gestion passive, mais également active, tactique. Exactement, tout à fait, Céline. Alors, chez Generali Wealth Solutions, donc qui est la société de gestion patrimoniale de Generali France, on a créé avec Alta Profit donc une gestion pilotée qui tient compte de deux vecteurs d'investissement. On va les appeler tout d'abord les fonds satellites, c'est-à-dire qu'on va sélectionner dans les profils de gestion pilotée des fonds qu'on va estimer comme satellites, qu'on va sélectionner à partir de l'ensemble des fonds qui sont commercialisables en France. Et on va les regrouper sous quatre grandes catégories qui sont les fonds stars. Donc, c'est les fonds que vous connaissez, de grands établissements qui ont prouvé leur capacité à générer de la performance. On va également travailler sur des thématiques séculaires qu'on juge porteuses à moyen long terme, hein, donc l'eau, le changement climatique, etc. Donc, on a également des fonds thématiques que l'on va sélectionner parmi l'ensemble des fonds thématiques de la place. Et ensuite, à plus court terme, on a également une thématique que l'on appelle momentum, où là, on va, par exemple, si on a une conviction sur une zone géographique ou sur un pays, on va investir à un petit peu plus court terme sur un pays via des fonds, donc toujours des fonds, que l'on va également aller chercher sur parmi l'ensemble des fonds disponibles sur la place. Et puis enfin, on a un quatrième vecteur d'investissement dans les fonds satellites, qui sont les fonds à performance absolue, parce que comme Stéphane vous l'avait dit tout à l'heure, la rémunération des placements obligataires baisse et donc il faut essayer pour les investisseurs de faire de la performance absolue. Alors ces fonds satellites, et c'est là le côté innovant de cette gestion pilotée, ils vont venir à côté d'un fonds qu'on a appelé Cœur, hein, c'est pour ça que vous en voyez la représentation à l'écran, que l'on a monté spécialement pour cette gestion pilotée et qui est lui investi en tracker et sur lequel on va pouvoir réaliser des mouvements pour ajuster l'exposition de nos fonds satellites. Alors, c'est très simple. Pourquoi utiliser les trackers? Parce que les trackers, ce sont des produits liquides. On peut les vendre à tout moment, on peut acheter à tout moment. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais la particularité de ce fonds cœur, qui n'a d'existence que dans cette gestion pilotée, hein, c'est vraiment d'adapter l'exposition de la gestion pilotée en fonction de nos anticipations de marché. Et donc, on fait par là même, comme vous l'avez dit Stéphane, de la gestion tactique via les ETF à l'intérieur de ce fonds cœur. Voilà, donc l'association des deux. Parce que la question que se posent les épargnants par rapport aux marchés financiers aujourd'hui, des marchés financiers qui finalement sont extrêmement volatiles. On l'a vu, l'année 2021 a été exceptionnelle. Si on prend encore une fois le marché, l'indice de la Bourse de Paris. Mais finalement, on se dit, on voit cette courbe depuis les 10 dernières années, on voit cette volatilité. À quel moment on peut rentrer? À quel moment on sort? À quel moment on arbitre? C'est vraiment la question qu'on se pose. Comment saisir des opportunités de marché? Oui, effectivement, Paris a fait plus 28 en 2021, mais tout le monde n'est pas forcément rentré au bon moment et sorti au bon moment. Jérémy, là-dessus, quelle est la réponse que vous pouvez apporter? Alors, c'est vrai que c'est la question principale quand on n'est pas forcément un expert des marchés financiers et même quand on l'est, on peut se poser la question, c'est quand acheter, quand vendre. Finalement, on va pouvoir se dire qu'il y a trois règles principale à avoir en tête pour bien ou mieux gérer son épargne. Déjà, il y a la diversification.
C'est un point important. Et ce que qu'apporte ce que disait Arnaud, il investit sur plusieurs fonds. C'est un point important pour avoir accès à cette diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est un point important. Et typiquement, l'ETF offre cette diversification parce que si j'achète par exemple un ETF sur les actions mondiales, donc un ETF MSCI World, je vais avoir accès en une seule transaction aux 1600 actions internationales sur plusieurs secteurs, plusieurs pays. Donc, c'est un point important. Le deuxième point, c'est le long terme. Et on le voit clairement sur ce graphe-là. La bourse, l'investissement sur les marchés financiers, ça s'appréhende sur le long terme, d'accord ? Et d'ailleurs, les enveloppes fiscales type l'assurance vie sont assez bien faites puisqu'on s'aperçoit que plus on détient son enveloppe, son assurance vie longtemps, plus l'avantage fiscal peut être intéressant. Et donc, c'est un point important. Là aussi, je fais souvent ce parallèle-là. Quand j'investis sur dans l'immobilier, je ne m'attends pas à avoir un rendement au bout de 3 jours. Hein. C'est du long terme. L'investissement financier, la bourse, c'est sur long terme et on le voit clairement sur ce graphe-là. Et ensuite, plus précisément sur votre point, Stéphane, de quand rentrer, quand vendre, bah finalement, il y a une façon de bien appréhender le sujet, c'est d'investir régulièrement, avec discipline, investir tous les mois. Ce qui va permettre finalement de profiter de la baisse des marchés si les marchés baissent, hein, puisque si j'investis tout régulièrement, mais j'investis à un plus haut, bah, en investissant par exemple tous les mois, je vais profiter de cette baisse. Et si à l'inverse, les marchés montent, bah, je vais quand même y investir. Le plus grand risque finalement, c'est de ne pas être dans le marché. Donc en investissant tous les mois, ça me permet d'être dans le marché et de profiter de la croissance des marchés financiers. Donc finalement, ces trois points permettent à l'investisseur de mieux appréhender son épargne et d'investir donc régulièrement pour là aussi limiter le risque de perte en capital. Parce que le point, c'est de savoir quand est-ce qu'on investit, mais aussi comment on peut essayer de réduire son risque de perte en capital. Et donc, en investissant régulièrement, en diversifiant, en investissant sur le long terme, on arrive à gérer ce risque-là. Et dernier point très important, une des questions aussi qu'on se pose souvent, c'est combien je peux investir ? J'ai touché une prime ou un peu d'argent, j'ai pas envie de tout mettre tout de suite. Ben, l'investissement programmé permet d'investir de faibles montants, de l'ordre de 50 euros, ça va dépendre des contrats, mais peut-être on peut commencer à partir de 50 euros, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et donc, de faire un effort qui est peut-être plus acceptable et qui permet justement de se mettre moins en risque. Donc, en investissant régulièrement une somme que l'on peut définir en amont, évidemment, on ne va pas investir l'argent qui nous sert à vivre hein, tous les mois, mais une argent que l'on peut épargner sur les marchés financiers, en le faisant tous les mois régulièrement de façon disciplinée et sur le long terme, bah, ça permet de mieux appréhender ce risque-là et donc d'espérer de mieux gérer son risque rendement. Quoi. Effectivement, donc jouer soit sur sa capacité d'épargne ou à investir progressivement. Mais finalement, Arnaud, dans la gestion pilotée, ça peut aussi marcher. Oui, oui, tout à fait. Je souscris totalement aux propos de Jérémy. Ce qui est important, c'est de voir dans quel environnement économique aujourd'hui on se trouve. C'est-à-dire que les taux sont très bas. Hein, on l'a vu sur la page que vous avez projetée concernant l'évolution des fonds en euros, hein, qui sont juste le reflet de l'évolution des taux d'intérêt, qui aujourd'hui en plus sont amenés à remonter. Hein, il ne faut pas oublier que quand les taux remontent, c'est mauvais pour les porteurs d'obligations. Ils perdent en capital en instantané. Et nous, ce que l'on pense, c'est que les taux sont en train de remonter, mais ils ne remonteront pas beaucoup. Ils ne peuvent pas énormément remonter. Donc, on ne retrouvera pas des taux d'intérêt à 5-6% comme on a eu il y a quelques années. Parce que tout simplement, le monde est surendetté. Et que si jamais les taux remontent trop, ça cassera forcément la croissance tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur privé ? Ça veut dire qu'un investisseur privé qui doit épargner, il doit absolument se poser la question d'investir sur des actifs qui sont un petit peu plus risqués. Alors, ce que l'AMF appelle les actifs risqués, hein, donc les actions, les obligations convertibles, etc. Et ça sera important pour pouvoir rémunérer son épargne. Et donc, le fait de procéder à des versements libres, en effet, ça lisse vos points d'entrée sur le marché et donc c'est totalement souhaitable, d'une part par rapport au point de marché et ensuite pour épargner de manière progressive et régulière. Merci pour cet éclairage macro. Si on revient aux ETF, Jérémy, les ETF sont créateurs de performances, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Et finalement, quand les marchés sont plus
plus secouée, beaucoup plus volatile. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'ETF va réagir en cas de baisse, soit brutale comme on l'a pu le connaître en 2020 des marchés financiers, ou une lente descente comment se comporte-t-il? Alors, effectivement, vous l'avez cité, la performance assez intéressante des marchés financiers l'année dernière. Évidemment, c'est un point important à rappeler. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, compliqué d'appréhender les marchés. Donc, encore une fois, pour refaire le lien au versement programmé, ça peut être assez intéressant. La particularité des ETF, et c'est pour ça que les performances sont facilement accessibles pour l'investisseur particulier, c'est que c'est très visible plutôt. C'est que, en fait, ça réplique à l'indice de référence. Donc, en fait, il n'y a pas d'élément déceptif de la performance que je vais avoir, puisque si je choisis d'investir sur le marché du Nasdaq, sur l'indice CAC 40, je vais faire l'indice. Donc, si ça baisse, mon fonds baissera. Donc, c'est un point important. Après, comment gérer justement son investissement en ETF en cas de baisse de marché? Les ETF, c'est finalement des ingrédients. Et j'ai différents types d'ingrédients. Je vais avoir des ETF actions, qui vont me permettre d'investir sur différentes zones géographiques, donc un pays en particulier, une zone géographique comme les pays émergents par exemple. Je vais pouvoir investir sur des secteurs, le secteur pétrolier, le secteur de la santé, le secteur automobile, sur des thématiques, la thématique de l'eau, de l'économie digitale, sur le climat, sur les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc c'est un point important. Et je vais pouvoir aussi avoir des supports plus prudents, donc des supports obligataires, des supports monétaires. Mais comme le disait Arnaud tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est prudent que finalement, ça va être moins risqué. Un investissement obligataire aujourd'hui, si les taux remontent, ça va impacter négativement la valeur de mon obligation et donc de mon ETF obligataire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les ETF sont plus différents ingrédients qui vont permettre de construire des allocations d'actifs et donc de s'adapter à différents scénarios de marché, des scénarios haussiers, baissiers. Et donc, c'est la particularité des ETF, c'est d'avoir accès à tous les marchés possibles pour appréhender différents contextes, différentes formes de marché. On voit combien la sélection de l'ETF est fondamentale, la façon dont on va choisir son ETF pour le mettre à l'intérieur de son portefeuille. Arnaud, quels sont les ingrédients? Quels sont vos ingrédients? Comment travaillez-vous dans la gestion véritablement de vos profils? Bien, déjà, on met totalement en application ce que vient de dire Jérémy, c'est-à-dire que nous, quand on utilise dans le fond cœur que je vous ai présenté juste avant, les ETF, on le fait parce que les ETF sont liquides à tout moment, nous permettent de nous exposer à une zone géographique. Donc, on est des allocataires d'actifs. Donc, on va choisir exactement cela, c'est-à-dire est-ce qu'on investit sur le CAC 40, est-ce qu'on investit sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Et une fois qu'on a pris cette décision, on va choisir le bon ETF. Le bon ETF, il y a plusieurs ingrédients, en effet, à regarder avant d'investir. C'est déjà l'émetteur, enfin, la personne qui l'a mis à jour. Donc ici, par exemple, ça peut totalement être Amundi, qui a réalisé d'ailleurs des très bonnes collectes ces dernières années. Donc le nom est très important, l'encours de l'ETF est important, sa capacité à suivre l'indice est important, donc il faut regarder la méthode de réplication, etc. Donc là, on rentre un petit peu dans les considérations techniques, mais on va regarder l'encours, on va regarder donc si c'est un gros ETF ou un petit. Généralement, il faudra plutôt prendre des gros ETF. Donc voilà. Et ensuite, vraiment, il y a énormément de secteurs. Donc en termes d'allocation d'actifs, on peut vraiment avoir accès à un terrain de jeu extrêmement large, ce qui est vraiment très bien pour un gérant d'actifs. Donc là, au niveau donc de votre, la gestion pilotée donc que vous avez créée, vous associez cette gestion pilotée de la gestion passive et de la gestion tactile. Vous avez donc deux profils de gestion. Vous pouvez peut-être nous les présenter. Oui, tout à fait. En réalité, en effet, c'était un vrai choix de ne proposer que deux profils au sein de cette gestion pilotée. Donc, il y a un profil qui s'appelle le profil patrimoine. Alors, je veux bien qu'on passe à la page suivante pour projeter les deux profils. Non, non.
C'est pas celle-là. On a les deux profils. Donc, en fait, vous avez un profil patrimoine. Voilà, c'est celle-ci. Qui permet en fait de s'exposer aux actifs risqués jusqu'à 70%. Et en gros, dans ce profil, on aura entre 0 et 60% d'actions avec une position moyenne à long terme aux alentours de 40-45%. Donc, c'est important, c'est vraiment un profil patrimonial. Et ensuite, on aura un profil conviction qui, lui, a une exposition aux actifs risqués un petit peu plus importante. Et donc là, on pourra aller jusqu'à 100% en actions. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'exposition moyenne à long terme est d'environ 70-75%. Ce qui est intéressant, c'est le vrai choix qui a été fait pour laisser des marges de manœuvre importantes aux gérants pour qu'on puisse exprimer nos convictions afin de profiter de la hausse des marchés quand ils sont porteurs et éventuellement d'avoir la capacité de réduire la voilure au niveau des investissements lorsque les marchés sont plus chahutés. À l'intérieur, donc le profil, enfin le fonds où on retrouve les ETF, finalement, en fonction des profils, en fonction de l'appétence au risque ou pas, vous êtes plus ou moins exposé par rapport à ce fonds. On peut peut-être regarder la slide suivante qui présente la construction justement de cette allocation d'actifs. Voilà, donc là, vous avez la composition du profil patrimoine avec l'ensemble des lignes. Hein, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les fonds satellites sont sélectionnés, ce qu'on appelle dans le jargon, en architecture ouverte. Donc, on va essayer de sélectionner les meilleurs fonds parmi l'ensemble des fonds qui sont commercialisables en France. Et puis ensuite, on aura donc ce fonds tactique qui n'a pour objet que d'ajuster l'exposition au moyen de tracker, l'exposition globale de votre portefeuille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on allie un petit peu le meilleur des deux mondes. Donc, on essaye de sélectionner les gérants actifs qui procurent les meilleures performances. Et à côté de cela, on se donne la possibilité d'avoir une gestion un petit peu plus court terme grâce au fonds tactique qui, lui, aura une exposition qui évoluera en fonction de nos anticipations à court terme, de l'exposition globale que l'on souhaite avoir au sein du profil de gestion. On peut peut-être donner la performance depuis la création du profil. Donc, il a 6 mois maintenant. Oui, il a 6 mois et à fin décembre, le profil patrimoine était à 2,80 net de frais de gestion. Voilà, donc net de tout frais, frais de gestion du contrat, frais de gestion financière. Voilà, donc sur la moitié d'une année, donc c'est effectivement une performance qui répond à cet objectif de prudence. Exactement, c'est vraiment l'objectif d'une gestion patrimoniale. On sait qu'on va devoir aller sur les actifs risqués dans les années à venir pour rémunérer son patrimoine. L'objectif, c'est de le faire de manière, je dirais, la plus maîtrisée possible en sélectionnant des fonds qui nous paraissent intéressants et en essayant justement de tirer profit de cette volatilité qu'on a pu observer ces derniers temps sur les marchés et tirer parti de cette volatilité, ça se fait grâce aux fonds allocation tactique. Et donc le profil GWS Conviction, il avait une performance à fin d'année d'un peu plus de 5%. Donc en effet, c'est la page suivante. Donc vous voyez que la composition et enfin l'idée directrice est la même. On a des fonds satellites que l'on considère être parmi les meilleurs de la place, ou en tout cas qui correspondent à nos anticipations et à notre stratégie. Et ensuite, on joue à côté un fonds CURS créé spécialement pour cette gestion pilotée, qui nous permet de piloter le risque et l'exposition en temps réel. Merci Arnaud donc pour cette présentation. Donc là on voit qu'on a effectivement les deux l'alternative, soit effectivement on fait une sélection d'ETF en gestion libre à l'intérieur de son contrat assurance vie et là on vient choisir toute une gamme d'ETF qu'on peut retrouver dans les contrats d'Alta Profit ou bien en gestion pilotée avec cette association
d'un cœur composé d'ETF et des satellites qui sont plus de la gestion active tactique qui viennent contribuer aussi à la performance du fonds. Merci, finalement, c'est le meilleur des deux mondes. Merci, messieurs, pour cet éclairage. Je me tourne maintenant vers la régie. On va peut-être pouvoir prendre quelques questions et y répondre directement. Effectivement, une première question. Est-ce que le rendement des fonds en euros vont augmenter vu la hausse des taux d'intérêt qui est annoncée? Alors, je peux peut-être commencer à répondre, puis peut-être qu'à Arnaud ou Jérémy, je vous passerai la parole pour compléter. Les fonds en euros, il y a une chronique, les risque de continuer de baisser. On voit là qu'il y a un certain nombre de fonds en euros qui passent en dessous de 1% et que même si effectivement, donc les taux sont bas. Donc aujourd'hui, on achète du papier sur le marché à des taux bas. Donc la contribution dilue le fonds en euros. Alors Arnaud évoquait tout à l'heure dans le point macro qu'effectivement, on aura une remontée des taux, mais cette remontée des taux, elle restera quand même maîtrisée. Ça sera, on ne retrouvera pas, enfin, à court, moyen terme, les taux qu'on a eus dans le passé. Donc, beaucoup d'indicateurs nous font dire que les fonds en euros risquent d'être encore assez bas. Peut-être que Arnaud ou Jérémy, vous voulez compléter ? Oui, au niveau des fonds en euros, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ce sont des actifs qui sont investis autour de 80% en obligations d'État. Ce qui est important, c'est que les obligations d'État, vous voyez bien quand vous réalisez un emprunt immobilier, les taux sont bas depuis très longtemps. Le gérant du fonds euro, ça fait quand même quelques années qu'il investit les liquidités à des taux proches de zéro. Donc, c'est certain que lorsque les taux vont remonter, le fonds en euros devrait suivre à terme cette remontée des taux, mais on devrait quand même avoir un retard puisque le fonds en euros est investi sur une moyenne de 7 ans. Donc, il faut attendre que les placements à l'intérieur arrivent à échéance pour qu'on puisse les réinvestir avec un meilleur rendement. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ça ne sera pas instantané et c'est aussi pour ça qu'il faudra se tourner vers d'autres classes d'actifs pour diversifier son patrimoine. Et pour compléter ce que dit Arnaud, finalement, quand bien même ils remonteraient, ils ne vont pas passer de 1% à 5% à court terme ni à moyen terme. Donc, la vraie question, encore une fois, et on l'évoquait un peu tout à l'heure, c'est la préparation à ses projets de vie, à sa retraite. Un cadre, c'est un point à avoir en tête, une personne qui est cadre dans la vie au quotidien va perdre à peu près 40% de son salaire au départ à la retraite. Donc, la question, c'est un fonds euro qui rémunère 2,5% permettra-t-il de compenser ce manque à gagner? Donc, quand bien même les taux monteraient, ça ne résoudra pas, le sujet de la perte de pouvoir d'achat au départ à la retraite. Et donc, l'alternative, c'est des alternatives peut-être plus risquées via les marchés financiers. Mais encore une fois, ce risque, on l'a vu, on peut le maîtriser avec des stratégies d'investissement, de la gestion déléguée ou une discipline d'investissement tout simplement, qui est accessible à tous, et c'est un point important. Merci. Une autre question, quels sont les avantages de l'eurocroissance par rapport aux UC et par rapport à la gestion pilotée? Alors, c'est très différent. L'eurocroissance est née en 2014 dans le cadre d'un rapport qui s'appelait le rapport Berger-Lefebvre à l'époque. Et donc, il est venu, c'est un additif dans le code des assurances. Donc, c'est le troisième pilier de l'assurance. Il ne va pas remplacer les deux autres piliers que sont le fonds en euros et l'unité de compte. C'est vraiment une complémentarité. Ce qui est intéressant pour l'eurocroissance, et c'est pour ça qu'on parle d'aujourd'hui d'une alternative au fonds en euros avec le fonds croissance, c'est qu'il, avec cette garantie qui est au terme d'une période, donc avec cette échéance, bien le gérant du fonds en euros va pouvoir aller chercher
des actifs un petit peu plus exposés sur les marchés et donc saisir des opportunités de marché pour créer de la performance, chose qu'il peut difficilement le faire avec un fonds euro. Arnaud disait tout à l'heure, un assureur qui gère du fonds en euro, il gère un portefeuille obligataire, alors que ce soit des obligations corporate ou des obligations souveraines, des obligations d'État, mais c'est des portefeuilles qui font 80-90% de l'ensemble de l'actif du fonds en euro. Et donc, c'est de la gestion très, très, très sécuritaire, très sécuritaire. Et avec cette gestion et avec cette garantie en capital qui contraint la gestion, il ne peut pas aller chercher de la performance. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Et c'est pour ça qu'on a les rendements qu'on a actuellement sur le fonds en euros. Avec un fonds G-Croissance, là, le gérant, il a plus de latitude. Il va pouvoir venir chercher des fonds, même en obligation. Il pourra venir un petit peu plus chercher de la dette corporate avec un rendement supérieur. Il pourra prendre un petit peu plus de risques sur ce type de support obligataire. Il pourra aussi venir sur du private equity, ce qu'il ne pouvait pas forcément faire auparavant dans un fonds en euros. Il viendra sur un portefeuille action un peu plus important. Il pourra avoir une gestion un petit peu plus dynamique, faire un petit peu plus de tactique pour créer de la performance. Parce qu'il aura le temps, encore une fois, avec le fonds croissance, on va introduire cette notion de temps dans la gestion. Et cette notion, elle est fondamentale pour créer de la performance. Et c'est pour ça que l'euro croissance, ou le fonds croissance plutôt, on a, depuis sa création, quand on regarde les performances, tous les ans, quasiment, le fonds croissance surperforme le fonds en euros. En 2021, Generali a annoncé les performances nettes annualisées de ces fonds croissance et on est au-delà de 3, 3,20 pour l'un, 3,01 pour l'autre, net de frais de gestion. Là où on a des taux de participation aux bénéfices qui sont aux alentours de 1% dans les fonds en euros de Generali. Donc, on voit bien qu'on a, avec le fonds croissance, une véritable opportunité d'aller chercher plus de performance. Maintenant, le fonds croissance ne remplacera jamais des unités de compte. Une gestion pilotée où on va donner un mandat à un gérant comme Arnaud pour aller gérer de façon active une épargne, c'est très très différent. Là, on a vraiment une gestion active et une sélection d'ETF dans un fonds cœur. Donc, on a à la fois cette gestion passive et cette gestion active. C'est absolument, c'est très différent. Finalement, je pense que peut-être le facteur clé de succès, en tout cas de création de valeur dans le temps, c'est l'association d'une gestion pilotée avec des ETF et de la gestion tactique et du fonds croissance. Merci. Une autre question. Est-ce le bon moment pour investir en bourse ou sur un indice boursier alors que les marchés sont hauts, même pour faire face au faible rendement des fonds en euros? Là, je laisse peut-être Arnaud ou Jérémy répondre. Je peux peut-être prendre la main. C'est une très bonne question, effectivement. Mais on n'a malheureusement pas de boule de cristal. Et le meilleur exemple, c'est le février 2020, avant le Covid. On se disait déjà que les marchés étaient très élevés. Est-ce que c'était le bon moment? Les marchés continuaient à monter en début d'année. Et derrière, on a eu Covid. Donc, c'est complètement imprévisible. Et donc, finalement, un des meilleurs moyens de se prémunir, encore une fois, de ce risque-là, c'est d'investir régulièrement, progressivement. Si les marchés baissent demain, oui, exactement. Si les marchés baissent demain, je pourrais en profiter en investissant tous les mois. Par contre, si j'aimais tout de suite et que les marchés baissent, bah, faudra que j'attende que les marchés remontent pour récupérer, entre guillemets, mon point d'entrée d'origine. Donc, c'est une bonne question, mais un des moyens d'y répondre, c'est d'investir régulièrement. Et si les marchés continuent de monter, bah,
on en profitera aussi puisque on investira régulièrement. On voit bien que cette notion de temps est une notion fondamentale quand on parle de placement financier, quand on parle d'assurance vie. Et introduire cette notion de temps, redonner du temps à la gestion, c'est absolument fondamental. Et la diversification est aussi un élément très, très important. Ne pas te mettre tous ses œufs dans le même panier, puis finalement, bien voilà, associer un petit peu de fonds en euros, du fonds croissance, des ETF, de la gestion pilotée, c'est encore une fois les clés d'une gestion sereine dans le temps. Arnaud, vous vouliez peut-être… Oui, c'était pour juste, encore une fois, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des liquidités aujourd'hui? On voit que les taux sont bas, on pense que les taux vont, même s'ils remontent un peu, vont rester très bas, ils seront en tout état de cause insuffisants pour rémunérer convenablement l'épargne des investisseurs. Donc, on est obligé d'aller sur les actifs risqués et c'est vrai qu'il faut, il faut mesurer son investissement, il faut y aller progressivement, mais en tout cas, je pense qu'il faut de toute façon considérer les actifs risqués dans un patrimoine. Ça, c'est le niveau des taux qui nous dicte cette conduite aujourd'hui. Et puis, on le voit quand même, les entreprises, on a eu un rebond économique qui a été beaucoup plus fort que ce qu'on attendait il y a un an. On voit que la croissance est repartie très fort. On attend encore alors une croissance un petit peu moins impressionnante cette année. Mais au niveau mondial, on devrait quand même être aux alentours des 4,4%. On voit que les entreprises, pour ne parler que de la France et des États-Unis, on attend encore une progression de 8 à 9% des bénéfices. Donc, les marchés sont hauts, c'est certain. Maintenant, les entreprises vont bien et les perspectives, pour l'instant, sont toujours attractives. Alors, il faut être vigilant et c'est pour ça que la gestion tactique via des ETF, pour nous, c'est important et on la met en place au sein de la gestion pilotée. Merci. Une autre question, pourquoi investir en ETF et pas directement en bourse? Jérémy, c'est pour vous. Alors, investir en ETF, c'est investir en bourse. La question, c'est est-ce que j'investis en assurance vie, dans un PEA, dans un compte titre? Sur ça, je n'aurai pas de réponse. La réponse est personnelle. Hein. Chaque enveloppe d'épargne a un objectif patrimonial. Mais investir en ETF, comme investir en gestion active, c'est investir en bourse, c'est investir sur les marchés financiers. J'essaie de répondre, je ne sais pas si vous pouvez peut-être préciser la question, mais l'élément de réponse que je peux vous apporter, c'est ça. Peut-être que juste la précision à donner, c'est que quand vous investissez sur un ETF, vous éliminez le risque d'acheter une valeur qui fait soit un accident sur résultat lors de la prochaine annonce. Donc, vous lissez également votre exposition à un marché plutôt qu'à une entreprise particulière. C'est la vraie force des ETF, c'est la diversification. Encore une fois, je prends quand je veux acheter une valeur du CAC 40, je prends un risque entreprise. Alors que quand j'achète un ETF sur le CAC 40, je profite de la performance, à la hausse comme à la baisse, de toutes les valeurs du CAC 40. Donc, ça permet, comme le dit Arnaud, de complètement lisser ce risque-là. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est des ETF, on trouve des ETF sur des actions, enfin des indices internationaux. Un ETF, c'est aussi cette accessibilité. Ça permet finalement simplement d'investir aussi sur des marchés où l'éloignement, la méconnaissance de ces marchés ou de ces pays rend la chose finalement assez difficile, hein, à investir. Voilà. Donc après, il y a bien sûr des fonds, mais c'est vrai que l'ETF, c'est de l'indiciel, il y a cette accessibilité et cette simplicité et cette visibilité aussi. On suit l'indice et ça rend les choses plus lisibles pour les personnes qui ont des connaissances plus restreintes sur les marchés financiers. Une dernière question sur les ETF. Quelle est la fiscalité lors du rachat avec des ETF? C'est la fiscalité. Je vous laisse répondre, Stéphane, effectivement, mais
À l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, vous détenez des unités de compte qui vont être libellées en ETF. Donc, c'est la fiscalité du contrat d'assurance vie qui s'applique tout simplement de la même façon qu'elle va s'appliquer si votre épargne est investie sur du fonds croissance ou du fonds en euros, ou c'est la fiscalité de l'assurance vie. Il n'y a pas de fiscalité particulière propre aux ETF, aux fonds actifs. C'est, quelle que soit l'enveloppe d'ailleurs, c'est la fiscalité de l'enveloppe à chaque fois qui s'applique. Une question maintenant sur la gestion pilotée. Arnaud, vous avez parlé de la gestion pilotée, le fait d'investir de manière progressive. Comment faire pour passer en gestion pilotée de manière progressive dans le temps? Alors là, au niveau de, je crois que c'est important, mais je pense que Alta Profi a toutes les cartes en main pour vous accompagner avec ses conseillers dédiés. Donc moi, je vous invite à contacter votre conseiller qui vous donnera les meilleurs conseils personnalisés pour mettre en place cette stratégie. Mais en effet, c'est une stratégie, encore une fois, qui nous semble vraiment opportune actuellement compte tenu des marchés, mais aussi des perspectives de croissance. Alors, je compléterai donc le contrat d'assurance vie Alta Profi Vie. On retrouve cette gestion pilotée, ou on va retrouver cette gestion pilotée GWS, puisque c'est quelque chose qu'on lance là. Vous aurez accès à cette gestion pilotée à partir de 300 euros. Donc, c'est complètement accessible. Et ensuite, tous les mois, vous pouvez mettre en place des versements libres programmés. Donc, votre compte bancaire va venir alimenter par des prélèvements, donc le contrat d'assurance vie, et cette somme qui peut être de 100 euros par mois, elle va venir placée sur la gestion pilotée. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de remplir sur le site le versement libre programmé. C'est clé en main finalement. On a juste à le paramétrer en amont et finalement après le compte est débité, il n'y a plus rien à faire. Exactement, c'est programmé dans le temps. Donc vous n'avez vous décidez de le mettre en place aujourd'hui. Alors le temps du paramétrage, donc chez l'assureur, il y a deux mois de décalage. Et puis après ça, donc là vous décidez de le mettre en place par exemple en février. Le premier prélèvement aura lieu en avril et ça dure le temps que vous le souhaitez. Le jour où vous décidez d'arrêter, eh bien vous faites la même opération sur le site et vous arrêtez le versement libre programmé. Et c'est une façon effectivement de lisser les mouvements de hausse comme de baisse et dans le temps on voit à quel point le versement libre programmé est un véritable atout pour l'épargne. Enfin, une dernière question sur la gestion pilotée. Comment la gestion pilotée pourra être positive si les actions baissent et les taux remontent? C'est certain que si les actions baissent, la gestion pilotée ne sera pas positive. Faut être très clair. On va être soumis à l'évolution des marchés actions. Après, à nous de le faire de manière intelligente, c'est-à-dire d'essayer d'augmenter, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a des anticipations positives sur le marché, d'essayer d'augmenter les expositions, et puis quand les marchés baissent, d'essayer de réduire, d'ouvrir le parapluie et de réduire la voilure. C'est un peu comme de la voile, hein, finalement. Quand il y a une mer d'huile, un petit peu de vent, on hisse toutes les voiles, et puis quand le temps se gâte, vous évitez pas la tempête, vous essayez juste de réduire la voilure au bon moment pour pas déchirer vos voiles. La gestion, c'est exactement la même chose. L'objectif étant de là aussi de traverser l'Atlantique. Alors, on a voulu vous apporter ce soir un éclairage sur trois alternatives finalement au fonds en euros. Le fonds G-Croissance, donc qui est un fonds en recroissance. Troisième pilier de l'assurance, il faut vraiment s'y intéresser. Les performances sont au-delà, et en tout cas, c'est vraiment l'objectif que se donnent les gérants de fonds croissance, à surperformer le fonds en euros, qui, on sait, aujourd'hui ne préserve plus le capital face à l'érosion monétaire. Donc, regardez donc ce fonds croissance. Alors, il sera accessible
On le lance d'ici une petite dizaine de jours à l'intérieur du contrat Alta Profit Vie. On ne l'a pas dans tous les contrats d'Alta Profit. On l'a dans le contrat Alta Profit Vie, qui est le contrat géré par Generali, car aujourd'hui, seul Generali est le seul assureur à proposer du fonds G-Croissance dans ces contrats. On a voulu également vous donner cet éclairage sur les ETF. À l'intérieur de nos contrats en gestion libre, vous pouvez avoir accès à toute une gamme d'ETF, d'Amundi, une gamme extrêmement diversifiée, extrêmement riche en gestion libre. Mais on peut retrouver aussi des ETF à l'intérieur de la gestion pilotée. Et là, c'est cette gestion pilotée extrêmement innovante lancée par GWS, donc Generali Wealth Solutions. Donc, on le retrouve bien sûr à l'intérieur du contrat Alta Profit Vie et du contrat Generali Épargne, qui est géré donc par Generali. Gestion pilotée qui va associer à la fois cette gestion passive des ETF, moteur de performance, mais aussi une gestion beaucoup plus tactique qui permet là, qui est la patte du gérant, qui va effectivement savoir jouer tactique en fonction de l'évolution des marchés, le meilleur des deux mondes, comme on le disait tout à l'heure. Donc, voilà pour cet éclairage. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments de réflexion. En tout cas, les équipes d'Alta Profit sont à votre disposition pour vous accompagner, pour mettre en place du versement libre programmé, pour vous accompagner dans l'introduction de G-Croissance à l'intérieur de votre contrat Alta Profit Vie ou tout simplement dans la sélection des ETF ou la mise en œuvre d'un profil de gestion pilotée, que ce soit conviction ou patrimoine. Merci beaucoup, merci Jérémy, merci Arnaud, merci à tous de nous avoir suivis ce soir et à très vite pour un prochain webinaire.